proposé de faire une carte blanche à la Galerie des Gobelins. Le thème, c'était le 18e. Et en regardant tous les magnifiques meubles au Mobilier National, on a découvert des meubles qui avaient appartenu à Marie-Antoinette. Et ça a été le déclic pour faire cette installation. On s'est dit, on va faire Marie-Antoinette. Et dès qu'on a pensé à Marie-Antoinette, Zaya est arrivée. Zaya est arrivée. Comme un flash, tout de suite. C'est Zaya qui va le faire. Ça peut être un salon de la reine, mais en même temps. Après l'image, on a fait l'installation et c'est ça, ce qui nous amusait, c'était de décaler ces meubles. En vrai, ces meubles, ils sont déjà dans un endroit décalé puisqu'ils sont dans la maison au coquillage au milieu de la ferme au château de Rambouillet où il y avait des animaux domestiques et tout ça. Et ces meubles si précieux dans un endroit très, très campagne, en fin de compte, nous plaisaient beaucoup. Donc on s'est amusé à mettre des petits animaux. Il y a des petits rats, ça peut être les rats de la campagne, mais ça peut être les rats aussi du cachot. La Révolution. Et ça peut être les rats de la Révolution. Il y a une tension, la chaise renversée, tout ça, la lumière un peu sombre. Et oui, c'est comme s'il venait de se passer quelque chose. Oui. En fait, c'est toute une discussion entre nous. On fait des petits dessins. Gilles fait plus le décor, moi je fais la photo et la lumière, et Gilles peint. Et voilà, c'est toute une aventure. C'est tout artisanal, on fait tout nous-mêmes à la maison. Voilà. Et ce qui nous amusait, c'était de mettre ce portrait officiel d'Hollande, qui était au-dessus de nous, et nous, un peu perruqué, un peu grotesque. On l'a fait d'une façon un peu drôle, mais c'est comme ça qu'on voulait l'exprimer, parce que c'était tellement sérieux en France. Le débat prenait des dimensions vraiment lourdes, gênantes, dérangeantes, qu'on s'est dit qu'il faut un peu détendre l'atmosphère et remettre ça à un niveau plus drôle, plus amusant.